Par une belle journée de printemps, Franco Corelli avait bien voulu me recevoir, à Paris. Il chantait alors à l'opéra et son nom était vraiment sur toutes les lèvres. Tout ce que j'avais entendu dire de lui me laissait imaginer une grande vedette. D'abord, on m'avait dit qu'il était si beau, un très bel homme. Puis on m'avait aussi dit qu'il était très prétentieux, déjà très gâté par sa jeune gloire. Eh bien, tout ça, c'était pas tout à fait exact. Il est très beau, ça c'est vrai. Mais j'ai trouvé un homme très jeune, presque un jeune homme encore. Car dans la carrière, c'est encore presque un enfant. Il a chanté très tard. Et c'est presque du jour au lendemain qu'il s'est trouvé le premier ténor de son temps. On peut dire que c'est vraiment la plus belle voix du moment. Quand je l'ai vu, il était encore timide, pas du tout sûr de lui. Il était encore tout désorienté par le déluge versé sur sa tête sous forme de cachet fabuleux. Et c'est vraiment avec une certaine candeur, tout à fait sincère, qu'il m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cet argent? Il y a de quoi devenir fou à gagner tellement du jour au lendemain. » Il disait ça très simplement, très gentiment, parce que vraiment il était un peu effrayé de tout ce qui lui arrivait sur la tête. Et du doigt, il se frappait le front en gardant un regard qui était tout à fait sérieux. Il parle à peine français et il avait demandé à connaître les questions que j'allais lui poser. Alors il y a eu évidemment une séance assez pittoresque parce que Madame Corelli, Franco Corelli est mariée, Madame Corelli assistait à notre entretien. Et cette charmante personne est dotée d'un tempérament assez explosif. Aussi, à chaque question, elle réagissait avec véhémence. « Franco, Franco, tu dois dire !» Et alors c'était un véritable crépitement de mitrailleuse, un espèce de tir en langue italienne extrêmement rapide. Franco était assez calme, je dois dire, sous la tempête, et il semblait réfléchir. Et puis tout à coup, un énorme coup de poing sur la table. Ou plutôt les deux poings à la fois sur la table. « Non, non, non !» disait-il à sa femme. « Tu ne comprends rien, mais rien, mais rien. Ce n'est pas du tout ce que je veux répondre à la dame. Tais-toi !» Puis il se tournait vers moi. « Madame, madame, voilà ce que je voudrais dire. » Alors j'essayais de bien comprendre ce qu'il voulait exprimer, j'essayais de faire à peu près la phrase en français, autant que possible en bon français, et lui, comme un bon élève, il écrivait, plutôt d'ailleurs en écriture phonétique, et puis ensuite il apprenait la phrase par cœur. Si je vous raconte tout cela, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte de la gentillesse et de la conscience de certains artistes, le souci qu'est le leur, presque toujours, de faire très bien, très soigneusement ce qu'ils font. C'est aussi pour que vous mesuriez l'effort que Franco Corelli s'est imposé pour vous. Et maintenant, il est temps de vous le faire écouter, d'abord sur son terrain, celui du chant, dans un beau disque ensoleillé, puisqu'il réunit des chansons napolitaines. Est-ce qu'avec l'expérience que vous avez aujourd'hui de la grande carrière internationale, la conscience quand même que vous devez avoir que vous êtes une très grande vedette, comment est-ce que vous aimeriez organiser votre vie d'une manière idéale? J'étais jusqu'à présent tellement occupé avec le chant que je n'ai pu penser à une vie idéale. Oui, quels sont les inconvénients que vous aimeriez écarter? Pour moi, le plus grand inconvénient, c'est le chant. Le chant? Oui, parce que tous les soirs, je meurs un peu. Ça, c'est triste alors. Et quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez quelquefois rêvé la vie qui est la vôtre maintenant? Jamais. Et est-ce que vous aimeriez chanter au concert? Oui, avec joie. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller au concert vous-même et d'écouter des violonistes et des pianistes? Et est-ce que vous pensez que c'est une leçon nécessaire pour un chanteur? C'est absolument nécessaire d'entendre les concerts pour un chanteur. Mais j'ai des temps libres et alors j'écoute les disques à la maison. Est-ce que vous devez un peu ménager votre santé et votre voix? Oui, il faut prendre des précautions pour la santé. Les ennemis sont les froids, la chaleur, les courants d'air, etc. Et est-ce que vous prévoyez des périodes de repos et de vacances? Oui, je prends des repos dans l'été. Et je vais tous les années à Valence, en Espagne. En Espagne? En Espagne, pour travailler avec le grand ténor Giacomo Laurivolpi qui vit là-bas. Franco Corelli, je vous retiens encore une minute. Vous savez que tous les grands amateurs de bel canto qui s'intéressent au théâtre lyrique sont passionnés de savoir qui vous êtes et comment vous êtes, évidemment. Alors, ils lisent des biographies, on peut trouver des biographies, et ils y trouvent un certain nombre de renseignements. Ces renseignements que j'ai trouvés moi-même avant de vous voir. Alors, j'aimerais vous demander si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, en somme. Juste pour eux. Oui. D'abord, vous avez un peu plus de 30 ans. Oui.
Un peu plus de 30 ans. Vous êtes très grand. Très grand. 1m84. 84. Vous avez des yeux noirs, des cheveux noirs, un peu frisés. Oui, oui, c'est vrai. On dit que vous êtes un athlète. Est-ce que vous avez fait beaucoup de sport? Oui, c'est vrai. Beaucoup. La nage? Alors, je vais vous dire maintenant, il faut que j'explique aux auditeurs qui écoutent en ce moment que Franco Corelli est en train de me montrer, de mimer pour moi les sports qu'il a pratiqués. Alors, je comprends la natation, il a beaucoup ramé aussi. Le tennis, le rugby, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sports. Le rugby aussi. L'athlétique légère, beaucoup. Et est-ce que c'est vous avez étudié l'escrime qui est nécessaire? Oui, oui, un peu seulement l'escrime. Un peu, parce Mais que c'est vous... nécessaire pour le théâtre. Pour le théâtre, parce que vous tuez quelquefois au théâtre. Oui, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé quelquefois? Très bien. Très bien? Très bien, absolument. J'ai étudié. Je n'aimerais pas être en face de vous, alors. Est-ce que, justement, je me demandais si quelquefois au théâtre, quand vous êtes pris dans l'action, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur d'étrangler un peu trop fort, par exemple, Desdemone ou... Oui, c'est vrai. Beaucoup de fois, parce que j'avais un caractère très, très, très fort. Et je suis très nerveuse. Nerveux, oui. Et quelquefois, vous avez vraiment fait mal à la pauvre Desdemone qui était en face de non, vous? Non, jamais, parce que je ne chantais jamais. Jamais Othello encore, encore. Alors, le jour où vous chantez Othello... Non, mon ami dans le théâtre, comment vous dites, les camarades. Mes camarades, je suis très légère, très douce. Très doux, très aimable, très affable avec vos camarades, même sur la scène. On dit aussi que vous êtes le plus beau des ténors actuels. Là, je ne vous demande pas de répondre, je dirais simplement à nos auditeurs qu'ils ont qu'à regarder les photos qu'ils verront dans la presse. On dit que vous êtes né sur l'Adriatique. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, l'Adriatique est au port d'Ancône. D'Ancône, à 20 mètres dans la mer. Et on dit aussi que près d'Ancône, c'est la région des plus grands ténors italiens. On dit, c'est vrai, parce que dans les marches, c'est né Beniamino Gigli, Bonci, Renata Tebaldi et beaucoup d'autres chanteurs. Quand Franco Corelli m'a reçu, je lui ai demandé quels étaient ses disques préférés, ceux qu'il aimerait que je vous fasse entendre dans ses émissions. Réponse, et bien à vrai dire, la réponse était une moue. Aucun. Aucun disque ne lui plaît vraiment. Peut-être le dernier né, et encore. Le dernier né, à ce moment-là, c'était au printemps, il n'y a pas tout à fait un an, c'était un disque de musique religieuse dont il était, à ce moment-là, assez content. Au printemps dernier, Franco Corelli triomphait à Paris. Il avait bien voulu me recevoir et avait tenu à me répondre en français, ce qui ne lui était pas tellement facile parce que notre langue est nouvelle pour lui. Avec une gentillesse vraiment touchante, il essayait une phrase. Et puis il me la faisait rectifier, il la répétait. Et je dois dire que le plus souvent, quand il avait réussi à bien dire sa réponse en français, il éclatait de rire comme un enfant heureux qui a obtenu 10 sur 10 à l'école parce qu'il a bien récité sa poésie. D'un homme si célèbre, une telle application... Un tel souci de bien dire ce qu'il voulait dire était vraiment très émouvant, je dois dire. Franco Corelli, merci infiniment de bien vouloir nous accorder un moment ici, pendant votre séjour à Paris et après les triomphes que vous avez eus à l'opéra. Je ne veux pas vous prendre trop de temps, aussi je vais tout de suite vous poser certaines questions qui concernent votre grand art. Comment peut-on s'apercevoir qu'on a une belle voix? La voix, c'est une chose naturelle. Et à travers une audition au concours, on peut connaître d'avoir une voix pour le théâtre d'opéra. Et comment faut-il la travailler? Le travail, c'est le même pour tous les chanteurs. Étude, vocalise. Et quels sont les dangers que vous allez rencontrer? Les dangers, pour moi, c'est seulement une chose, chanter trop. Chanter trop et fatiguer la voix. Comment est-ce qu'on peut mesurer exactement quel est son registre? Quand la gorge ne fait pas mal après la leçon, après l'étude. Quand on a travaillé plusieurs heures, si on a mal à la gorge, c'est qu'on chante dans un mauvais registre. Oui, je pense. Est-ce que vous croyez que l'on peut faire une confiance totale à ses professeurs, à ses maîtres? Il faut avoir une confiance avec les maîtres, mais il faut aussi avoir une confiance avec les chanteurs d'hier, à travers les disques et à travers les enregistrements. Est-ce qu'il est nécessaire, vous croyez, de connaître et d'étudier les différentes techniques? On dit qu'il y a une technique allemande, une technique italienne et une technique française ou russe. Est-ce exact? Oui, il existe. Et sont tous différents. Mais les chants, c'est la même chose pour tout le monde.
de l'anonymat qui a été le vôtre autrefois quand vous étiez étudiant jusqu'à la gloire que vous avez aujourd'hui, la plus grande, puisque vous êtes considéré comme le premier ténor de notre temps, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir à surmonter des obstacles, et des obstacles très durs ? Aucun obstacle, parce que j'ai eu une grande bonne chance. Quels sont les dangers, à votre avis, quand on a un très grand succès ? Devenir fou pour la facilité de gagner, également pour la conquête de la position de plus en plus haute. Et est-ce que vous croyez qu'il faut alors s'imposer des disciplines ? Oui, il faut faire de grands sacrifices et mener la même vie qu'un athlète. C'est-à-dire pas fumer, pas trop manger, pas boire, marcher tous les jours, faire gymnastique et beaucoup de disciplines. Quelle est, à votre avis, la hiérarchie des divers éléments du théâtre ? Est-ce que le chant passe en premier ou le jeu sur la scène ? D'abord le chant, parce que dans les théâtres lyriques, on va entendre la voix. Sinon, il faut aller à la Comédie française. Après, in égale mesure, je passerai à la scène. Est-ce que vous croyez qu'un chanteur doit imposer au chef d'orchestre sa conception d'un personnage et son propre style ? Je chante presque toujours avec des grands chefs d'orchestre. Et alors, en ce cas, nos conceptions sont les mêmes. Est-ce que vous êtes influencé par vos partenaires ? Est-ce que, par exemple, quand vous chantez Tosca avec Callas, Tebaldi ou Crespin ou Nilsson, est-ce que vous avez l'impression que vous-même, vous êtes différent ? Je suis toujours le même. Mon jeu ne subit pas d'influence de mes partenaires. Mais peut-être que le public me verra différent quand je suis avec l'une ou l'autre. Nous avions quitté hier Franco Corelli sous le soleil napolitain et c'est encore dans cette chaude lumière que nous le retrouvons et que nous resterons un moment avec lui. On m'avait dit que Franco Corelli était un peu prétentieux, que sa jeune gloire l'avait grisé. On avait loué devant moi sa prestance. Certes, c'est ce qu'on appelle un homme superbe. Jeune, 1m84 à peu près, mince, élancé, sportif. On l'imagine très bien, la peau hâlée, nageant un crawl spectaculaire et se livrant très bien du reste à tous les sports aquatiques. Il devait être marin du reste et a préparé, je crois, une école d'ingénieur dans son pays. Et puis un jour, des amis lui ont dit « Mais tu as quand même une très très belle voix, tu devrais chanter ». C'était le destin, il me l'a dit et vous allez voir comment. Je ne sais pas, c'était le destin. C'était le destin. Et à quel âge est-ce que vous croyez que l'on peut se rendre compte qu'on a envie de chanter et que peut-être on aimerait faire une carrière ? Je n'ai chanté jamais quand je suis petit. J'ai commencé avant, j'avais 21. Vous avez commencé quand vous aviez 21 ans. Oui. On raconte aussi dans votre biographie que vous avez commencé à étudier le chant et que vous avez eu l'impression que vous aviez perdu une partie de votre voix. Oui, c'est vrai. Après 8 mois... que j'ai étudié le chant et la voix est partie. Alors c'est la faute d'un mauvais professeur ? Je ne sais pas qu'est-ce que c'était succès. Mais après, elle est retournée. Elle est revenue, mais on raconte aussi qu'entre-temps, entre ce moment où désespéré, vous vous êtes rendu compte que vous aviez perdu en tout cas l'aigu de votre voix, vous avez fait des études pour être officier de marine. Non, j'ai étudié à l'Université de Bologne, ingénierie. Pour être ingénieur, plus exactement. Mon père était pour l'ingénierie navale. J'ai été voir la laurea in ingénierie edile pour la construction des maisons. Oui, un architecte. Des meubles. Alors, après ça, vous avez recommencé à chanter. Oui, après ça. Vous avez passé un concours, on dit en 1951, que vous avez passé le concours du Mai Florentin, où vous avez eu un premier grand succès. Non, ce n'est pas juste. Les premières années, je ne suis pas pris dans les concours. Je suis écarté. Vous n'avez pas été admis à passer... Une fois à Florence et l'année prochaine à Spoleto. Alors deux fois, vous n'avez pas pu passer le concours et ensuite, après, vous avez quand même remporté un prix qui vous a permis d'entrer au Conservatoire de Florence. Oui. Est-ce que c'est la meilleure école italienne pour le chant, le Conservatoire de Florence ? Je ne sais. En Italie, il y a beaucoup d'écoles de chant, mais je ne sais pas quelle est la meilleure. On raconte aussi que vous avez fait vos vrais débuts, les plus spectaculaires, à la Scala, dans la Vestale, avec Maria Callas. C'est vrai. C'est la première fois que vous avez chanté un grand opéra. Oui, c'est la première fois et j'avais beaucoup de chance parce que j'ai chanté pour la première fois à la Scala de Milano avec Callas, avec le metteur en scène Visconti et sous la direction d'Antonino Botta.
Vous savez, depuis un moment, je pense à quelque chose que j'ai lu dans votre biographie. Il y a écrit « Franco Corelli est le plus sérieux des ténors actuels ». On l'a surnommé « l'homme qui ne rit jamais ». Mais quel mensonge affreux! Vous riez tout le temps et vous êtes très gai. Oui, oui, j'ai ri tout le temps. Mais je suis très froide. Vous avez le trac? Vous avez peur? J'avais beaucoup de peur et alors je suis très sérieuse. Vous êtes sérieux, sérieuse, vraiment. Un peu par timidité, vous croyez? Oui, oui, je pense. On dit aussi que vous avez des passions, comme beaucoup d'Italiens, comme beaucoup de vos compatriotes, pour l'automobile. Oui, c'est vrai. J'adore l'automobile. Vous adorez l'automobile? Vous adorez l'automobile d'une manière technique ou simplement vous aimez beaucoup conduire très vite? Tous les deux. Tous les deux. Vous avez une autre passion, dit-on, le cinéma, la photo? Oui. Et l'enregistrement? Oui, c'est mon hobby, ma passion. Votre passion? Oui. Votre j'avais tous les modèles de les machines photographiques, des appareils photographiques, des appareils pour l'enregistrement. J'avais beaucoup de choses. C'est mon hobby. Et est-ce que vous écoutez les enregistrements de votre propre voix? Oui, c'est vrai. Tous les nuits, quand j'ai fait une leçon avec les maîtres qui viennent dans ma maison, j'ai fait toujours les enregistrements. Et dans la nuit, j'entends. J'écoute pour 4-5 fois ce que j'avais fait. Et vous croyez que c'est la meilleure critique? Oui, je pense. Parce que je suis terrible. Votre maison, vous dites chez moi, votre maison, c'est à Milan? Oui, c'est à Milan. C'est là qu'est votre domicile permanent où vous vivez donc avec Madame Corelli, qui a la gentillesse d'être en ce moment en face de nous, et j'espère d'approuver ce que nous disons. Alors maintenant, je ne veux pas vous retenir davantage, je sais qu'on vous attend, que votre temps est très pris. Puis-je espérer que quand vous reviendrez à Paris pour chanter à l'opéra, nous pourrons continuer cette conversation? Merci, madame. Absolument. Franco Corelli à l'église, on l'imagine très bien lorsqu'on en a passé une heure avec lui. Il y a tant de franchise et une certaine candeur dans ses propos. Sa gloire est encore si jeune. Elle lui semble encore étrangère. Il ne semble vraiment pas la porter sur lui. En tête à tête, Franco Corelli est simple, sincère, et de ce fait, vraiment, il est très sympathique. Il aimait encore, lorsque je l'ai vu, son disque d'air religieux, bien que, comme beaucoup de grands artistes, tous les vrais, il se critique très sévèrement et se détache très vite de ses enregistrements dès qu'ils sont faits.